La messe de ce matin est recommandée par Madame Aloud Le Sage. Chers téléspectateurs, frères et sœurs de la foi, bonjour et bienvenue à cette célébration où nous sommes rassemblés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Entrer dans le carême, c'est nous laisser transformer par le Seigneur. En ce début de célébration, considérons dans notre vie tout ce qui n'est pas ajusté à sa volonté et demandons-lui son aide. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Que ta grâce inspire notre action, Seigneur, et la soutienne jusqu'au bout, pour que toutes nos activités prennent leur source en toi et reçoivent de toi leur achèvement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël, « Je te propose aujourd'hui de choisir ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Écoute les commandements que je te donne aujourd'hui. Aimer le Seigneur ton Dieu, marcher dans ses chemins, garder ses ordres, ses commandements et ses décrets. Alors tu vivras et te multiplieras. Le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession. Mais si tu détournes ton cœur, si tu n'obéis pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je te le déclare aujourd'hui, certainement vous périrez. Vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre dont vous allez prendre possession quand vous aurez traversé le Jourdain. Je prends aujourd'hui à témoin contre toi le ciel et la terre. Je te propose de choisir entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui. C'est là que se trouve la vie, une longue vie sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Parole du Seigneur. Sa foi dans le Seigneur.
n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira, tel n'est pas le sort des méchants. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Au jugement, les méchants ne se lèveront pas, ni les pécheurs au rassemblement des justes. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait à ses disciples, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que le troisième jour, il ressuscite. » Il disait aussi à la foule, « Celui qui veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est en se perdant lui-même et en le payant de sa propre existence. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, depuis hier, avec l'imposition des cendres, nous entrons dans le temps de carême. C'est un pèlerinage spirituel, un cheminement intérieur, un temps de conversion qui nous prépare à vivre la joie de Pâques en nous tournant vers celui qui nous a promis de nous ressusciter avec lui au dernier jour. Cette promesse est une promesse de vie et de bonheur. Promesse de vie qui guide nos vies et nos actes. Au peuple d'Israël, avec lequel il faisait alliance, Dieu disait, « Je te propose aujourd'hui de choisir ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui. C'est là que se trouve la vie.
cette exhortation divine nous place devant un choix. Un choix que nous avons fait. Un choix que nous avons à refaire chaque jour dans toutes les situations où nous pouvons nous trouver. Accueillons-la comme un appel. Comme un appel à la conversion. Accueillons-la comme un appel à remettre notre vie dans les mains de Dieu et à vivre comme de fidèles serviteurs. Le chemin ouvert devant nous est donc bien tracé. Notre choix d'accepter la croix du Christ nous apporte la vie. Au fond, il s'agit de nous détourner de nous-mêmes et de reconnaître que l'on ne peut se donner le salut et que l'on a besoin du tout autre pour être sauvé. Celui qui veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, nous dit le Seigneur. Frères et sœurs, le temps du carême est un temps pour accueillir la lumière du Christ Jésus dans nos vies. Mais que de fois n'avons-nous pas laissé installer en nos cœurs les ténèbres? Dieu s'invite dans toute notre vie. Nous avons constamment besoin de nous rebrancher sur le Christ. C'est là que se trouve la vie, c'est là que se trouve la pleine vie. Je suis venu, nous dit Jésus, pour que les hommes aient la vie, pour qu'ils l'aient en abondance. Jean chapitre 10, verset 10. À la lumière des lectures de ce jour, demandons au Seigneur de nous ouvrir à sa parole et à son amour pour que nous puissions accueillir le don de sa vie en nos cœurs et partager avec nos frères et nos sœurs ce que nous avons reçu, l'espérance de la vie éternelle. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre de notre travail, nous te le présentons deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et de notre travail, nous te le présentons deviendra le vin du royaume éternel.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande que nous t'apportons à l'autel, en nous procurant ton pardon, qu'elle serve ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout Dieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes fils. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Et le grand mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps au sang du Christ,
nous sommes rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Jean-Claude, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, et sur ceux et celles qui se sont recommandés à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau des dieux, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau des dieux qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Seigneur, le don reçu de toi dans cette Eucharistie nous a bénis et sanctifiés. Qu'il ne cesse jamais de nous apporter ton pardon et notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Durable.